vois toute cette installation, toutes ces couleurs, tous ces petits thèmes vraiment superbes. Voilà, un grand bravo. Un bravo aussi aux artistes. Toute la semaine dernière, donc ils ont œuvré pour cette expo et vraiment très chouette. Ensuite, un grand merci aux 15 artistes donc, qui nous ont permis de réaliser cette exposition. Pourquoi la couleur? Parce que d'abord l'événementiel, c'est dans l'esprit de carnaval, il y a des couleurs. Et aussi avec Dédé, c'était une idée qu'on avait depuis un moment de pouvoir identifier les couleurs à travers les cultures, à travers les traditions. Et puis d'avoir un regard différent sur certaines couleurs qu'on n'aime pas forcément, qui nous induisent certaines émotions. Et à la rencontre d'artistes très différents, on a pu faire un nuancier géant. Et on a réussi à accorder les toiles, les éclairages, même si certains vous dérangent, mais c'est exprès, ça réveille. Et en fait, c'est aussi montrer certains tableaux avec en exagérant des teintes. Voilà, l'idée c'était aussi de faire réagir au niveau émotionnel. Regard de couleurs et notamment dans les bleus, les rouges et l'or, le mordoré avec le chemin, le tapis de feu. Ensuite, alors Perle de la Passion. Alors là, nous avons le couple Hubert et Christine qui ont commencé tout à l'heure leur démonstration de filage de verre. On a été les voir chez eux, ils sont périgueux. Et alors Christine est petite, alors évidemment, c'est en plus, elle est derrière, voilà. Et en fait, les bijoux que vous voyez, ce sont eux qui font les perles et qui travaillent le verre et qui, du coup, assemblent aussi les bijoux. Et donc, pareil, Christine a fait des cadres spécialement pour cette exposition et ils ont amené leur matériel pour faire une démonstration. C'est assez magique, on va dire, et il faut vraiment de l'attention, de la rigueur dans cet art. Hein. Ensuite, qui avons-nous? Alors, bricoles. Alors, Brigitte qui est toute colorée pour l'exposition, qui nous présente ses fauteuils. En fait, ce sont des fauteuils stars qu'elle a relookés, remaniés. Donc il y avait une déclinaison de couleurs qui nous intéressait, en plus que cette forme est inconditionnelle. Donc, on est content d'accueillir Brigitte dans le mobilier, puisqu'on l'avait à l'Artothèque, mais sur des collages sur vinyle. Voilà. Yang, en fait, ce soir, parce qu'elle est dans le noir, elle est dans le blanc. Alors non, elle n'est pas dentelière, non, ce ne sont pas ses productions de dentelle, mais c'est les dentelles de sa grand-mère qu'elle a mis en scène et qu'elle a disposé comme ça. Et il y a le dernier des panneaux qui est de sa marinouette, sa grand-mère tout le temps.